tout le monde, comment ça va ce matin? Oui, aujourd'hui je peux vraiment dire matin parce qu'il est très tôt, il est, je sais pas, 8h30, quelque chose comme ça. Et oui, je suis déjà debout, ça fait déjà un moment, et puis j'ai même déjà bu mon café. Ouais, je suis un peu jaune là, je vois ça, mais c'est le soleil en face. Donc, tout le matin maintenant, je vois le lever du soleil, c'est chouette. Et chose encore plus remarquable, je me lève avant Ambré. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Bon, vous voyez là derrière moi, il y a Coquelicot et puis elle n'est pas encore réveillée, c'est pour ça que je ne parle pas trop fort. Bon, aujourd'hui, on va vous donner quelques nouvelles. Et ça, ce que vous entendez derrière, c'est Pépino avec le chien du voisin, là. Un gros balourd, mais sympa comme tout, qui s'appelle Cookie. C'est vraiment. Bon, en fait, la couleur, oui, ça lui va bien. Ben, écoutez, venez avec nous pour nous accompagner pour une journée ordinaire, qui est toujours un peu dans le bizarre, dans le bazar et en pleine installation. Allez, c'est parti, on y va. Bon, on va aller voir la voisine hein, pour voir si elle est réveillée. Qu'est-ce qu'elle a déjà fait? Elle a déjà bu son café ou non? On va voir. On va contourner Coquelicot. Et on va voir ce qui se trouve à l'autre côté. Ah ben tiens, bonjour, bonjour voisine. Salut la voisine. Comment ça va ce matin? Ah, un peu fraîchement grasse à la vaisselle. Ah, c'est alors, pas c'est ça ta cuisine là? Ah oui, alors. T'as vu ça un peu? C'est bien. C'est. Allez, va, c'est du provisoire. C'est du provisoire. De toute façon, ça fait 10 jours qu'on vit dans du provisoire. Oui. Alors, en fait, on vit en fonction de deux choses Oui, fondamentales. oui. La météo, parce qu'il fait une chaleur absolument terrible. Ouais. Mais vous le savez, hein? Ça, c'est pas un scoop, ça. Voilà. Mais ils ne parlent pas encore de super canicule. Hein. Dans les journaux d'ici, ils ne parlent pas de canicule encore super, Ben, super. c'est normal parce que la nuit, il fait fraîche. Ouais, c'est vrai que la nuit, on est Donc, bien. et canicule, si j'ai bien compris, c'est uniquement quand la température ne baisse pas en dessous de 25 la nuit. Ouais, Quelque mais c'est chose vrai comme que la ça. nuit, on se couvre quand même. Hein. Ouais, Donc, ça fait du c'est bien. agréable, ouais. Et la deuxième chose, le rythme auquel on vit, eh ben, ce sont les livraisons. Parce que Christa, je pense qu'elle te l'a dit, on a commandé plein de choses, Ouais. mais je pense que bon, bah tout le monde commande un peu les mêmes choses que nous. On Ouais. n'a pas envie de toile de tente. Oui, non. Au début, on avait envie de caravane, de vieilles caravanes et tout. Finalement, on a changé d'avis. Ouais. Donc, je sais pas si Christa t'a C'est trop dit. compliqué. Non, j'ai pas encore vraiment parlé Donc, de ce qu'on a commandé. on a commandé des chapiteaux, un peu des Barnum, je sais pas si tu connais. Voilà, pour faire joli, pour être dérangement. Donc, on vit au rythme des livraisons. Et non, on vit pas pour le troisième point, parce que sûrement vous allez en parler, parce que nous sommes au cœur du confinement phase 1 de Murcia. Non, on vit pas au rythme de ça, parce Bon, qu'on est vraiment tranquille, on est non. vraiment bien. Donc, voilà, on s'occupe des lauriers, on a envie qu'ils poussent, on va faire pousser d'autres choses. Allez, on va voir Mais les regardez le lauriers. Est-ce souk qu'on les encore là. voit? On les voit. Sont encore très jeunes, pas très grands encore, hein? Venez voir mon souk. Allez, on va visiter ton souk. Voilà. Mon souk. Oula, il n'y a pas que des commandes là, il y a autre chose aussi, Là, non? il y a des meubles qu'on va monter quand on aura les tentes. Et puis Ouais. après tout ça, bah, c'est tout ce que j'ai sorti de. C'est que. Mais bon, il y a des choses qui sont en prévision pour ma vie d'après. Ouais. Voilà, des draps, des choses comme ça c'est un petit rangement. Ça, il y a des sacs poubelles. Alors, vous allez voir des sacs poubelles partout. Ça, c'est pas sac Ça, c'est pas poubelle. un sac poubelle. Sac poubelle parce que je vais faire un tapis en sac poubelle. Voilà, Un qui craindra tapis en pas. sac poubelle. Ouais. Ah, ben Bon, ça, on tu va. verras ça. Oui. Ça, on va vous montrer plus tard quand on aura commencé le tissage. Mais c'est qu'en fait, on n'a pas que commandé les choses. On a fait la semaine dernière aussi une descente chez IKEA Ah et non. chez le Chinois à Mais c'est Murcia. vrai qu'il y a plein de choses aussi. On a acheté plein de meubles chez IKEA. On a acheté des Ouais, trucs super ouais, sympas. ouais, ouais, ouais.
On a déjà monté le meuble de cuisine chez Crissa. Ouais. Là, on va monter un peu le mien, ben, un peu totalement même. Ouais, pas quoi, un peu quand Voilà. même, parce que ça sert pas grand-chose du tout. L'avantage qu'on a de cette région, c'est qu'il fait chaud sec, donc on n'a pas du tout peur de Non. laisser la nuit, Non. parce qu'il n'y a pas de rosée, il n'y a pas de choses comme ça. Donc ça craint rien, rien, rien. Non. Bah, de toute Non, non. façon, tu le vois, les cartons ne sont pas Tout est mouillés ni rien. dehors. Si c'est Voilà. mouillé, c'est que le chien de voisin pisse dessus. Non, non, mais ça va, c'est bien. Alors après, c'est vrai qu'on n'a pas d'arbres, on n'a toujours pas d'arbres. Mais après Bon. tout, on s'en fout, on s'habitue. Puis il y a Ouais. toujours un petit courant d'air. L'avantage aussi, bah, t'en viens, je t'entraîne. C'est qu'en fait, nous sommes habitués là au rythme de vie espagnol, c'est-à-dire Ah on se oui. lève relativement tôt le matin, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure déjà. On fait plein de choses le matin jusqu'à midi, une Ouais. heure, et après c'est fini. On ne peut plus rien faire jusqu'à 17-18 heures, parce qu'après, comme on avait dit l'autre jour, dès qu'on met la tête dehors, il y a la chaleur qui nous Non, attaque. et puis en plus, on est mieux dans les camping-cars. Hein. Oui. Dans les camping-cars, on fait des courants d'air, des choses comme ça, donc tout va bien. Il y a toujours un petit peu d'air, donc ça va. Ouais, Ah, bah ouais. tiens, regarde ma nouvelle table et Ah oui, fauteuil. c'est vrai. Ça vient de chez qui, ça? Le Roi Merlin. Le Roi Merlin. Ah Il oui, y a le Roi effectivement, on Merlin était chez le Roi en Merlin Espagne, aussi, donc voilà. j'aime beaucoup. Je me suis acheté Ouais. deux fauteuils. Ouais. Et Sont super puis, confortables les fauteuils. ouais, Une grande table. Et encore des encore sacs des sacs poubelles poubelles. que je suis en train de préparer. Alors attends, je vais te faire voir comment je les prépare. Voilà, je les coupe en bandes comme ça. Ouais. Bah, tu verras après quand je ferai le tapis. Voilà, on va expliquer exactement Voilà. comment, on va vous montrer exactement comment faire. Et puis là, c'est mon café du matin. Bah oui. Et ça, c'est le luxe de la météo. Ça, c'est la machine à coudre ici que je peux Donc laisser. aujourd'hui, tu vas coudre, si j'ai bien compris. Oh, ben, je l'ai sorti depuis hier, mais tu vois, c'est le rythme espagnol. On commence à sortir et puis voilà. Non, le rythme espagnol, là, c'est que à 10h, voilà, il est 9h30. Ouais, Non, t'as j'ai encore un peu de rendez-vous temps. pour ma livraison. Voilà. Ouais. Je vais Ben, sortir après, on se moi parle. aussi, j'attends une livraison aujourd'hui, mais j'ai pas d'heure. Et donc, ça peut être entre 8h et 20h. Mais fait déjà chaud quand même. Mais ça va, ça C'est va. supportable. Pour le Voilà, moment, c'est c'est supportable. bon, on prend des douches fraîches, Plusieurs fois par jour. ouais, voilà, non mais ça c'est sympa, on est bien, mais vraiment on est tranquille, vraiment tranquille Oui, quoi. oui, oui. Voilà, Mais et oui. puis l'histoire du confinement, oui, bah, comme de partout en France, il y a des endroits confinés aussi, Ouais, ouais, on ouais, fait ouais, gaffe, et ouais. puis terminé comme Voilà. d'habitude, on n'est pas Comme d'hab, plus... voilà, c'est tout. Bon, tu vas faire voir Je ton vais faire souk. voir mon bazar, mon souk aussi. En passant, regardez, on a donc un point d'eau parce qu'on a eu dans les commentaires plusieurs fois la question. Oui, effectivement, vous voyez le tuyau là. Pour l'instant, oui, j'ai mis Pour ça. le, bon, tout est du provisoire, hein. Alors là, le câble jaune, c'est le câble électrique d'Ambre. Le truc, le vert là, c'est l'eau. Alors ici, c'est le point normalement qui est prévu pour vidange cassette au noir. Il y a de l'eau potable par-dessus, mais là on ne se branche pas parce que nos voisins viennent ici pour vider leur cassette. Il n'y a qu'un seul point vidange au noir sur place. Ça, c'est un petit chariot qu'on a bricolé pour les poubelles parce que les poubelles sont assez loin d'ici. Donc ensuite, nous avons, attention que je ne me casse pas la figure. Un point d'eau pour nous deux, donc on a acheté une double prise eau et donc le branchement vert côté ambre. Tiens, il y a un petit lézard là, il est mimi celui-là. Et la spirale qui nous amène directement au meuble de cuisine qu'on a monté hier. Voilà. Et ça, on a prévu faire quoi avec ça, dis-moi? Alors normalement, hein, si tout va bien, ici là, tu vas mettre l'évier. Madame Biscotto, parce que c'est elle qui a les muscles, elle va mettre l'évier ici. Ouais. Et donc ça va être dans notre tonnelle. Voilà, Ça donc sera une tonnelle un peu cuisine, un peu rangement. Ce sont des choses bien sûr qu'on laissera. oui. Et oui, nous sommes en totale sécurité. Absolument, il n'y a On a aucun souci. portail avec caméra, on a tout. Et c'est Deux vrai, on est portails vraiment chez nous, fermés, quoi. deux On est vraiment portails chez nous. fermés et puis sécurisés, il n'y a aucun Ouais. problème. Ah, attendez, attends, je vais te faire voir aussi. Tiens, viens Oui. avec moi, Chris. Oui. Donc, Chris s'est acheté les deux fauteuils là.
tout de Ouais, suite avec les ça, coussins et puis elle et a acheté cette table. cette Mais cette table. table, vous l'avez voyez, je pense, à Leroy Merlin aussi. Oui, Ça, je c'est suis Leroy Merlin. Oui, c'est à Leroy super Merlin. contente. Il est très costaud. En fait, on peut le ranger facilement parce qu'il se plie. Elle, pardon, elle se plie. Voilà. Voilà, Elle se plie. les pieds Tu veux se. bien enlever un peu la nappe pour montrer comment elle se plie? Ça se plie complètement. Attendez, parce que. Ah, Voilà. c'est le vrai souk, hein. Ah oui, c'est le souk chez moi, c'est tout neuf. Voilà. Voilà. Donc ça se Voilà, plie ça se là. plie comme Et ça. les pieds se rabattent. Il y a même Voilà. une poignée quelque part pour la porter. Donc voilà, on le plie. Elle est super costaud, elle est très bien. Voilà. Et puis, ben, j'ai sorti le store aussi comme ombre. J'ai mis un. Ça, c'est un drap que j'ai acheté au solde chez Ikea que j'ai décousu. Enfin, c'est une housse de couette. Et voilà, le souk chez moi. Ah, par contre, un Les petit détail. plantes au Attends, fais frais, voir mes oui. fenêtres. Ah De oui. faire ça sur les fenêtres, ça aide bien. De faire ça sur les fenêtres, ça aide Le truc bien par argenté rapport là. à la chaleur. Vous Ouais. voyez, vous mettez des pinces. Moi, j'ai mis des grosses pinces. Et finalement, je me suis rendu compte, j'apprends la vie des mouches, c'est que comme c'est sombre, du coup, ça fait un peu d'obscurité dedans, les mouches ne viennent pas. Parce qu'on est Elles viennent envahi des pratiquement. mouches ici, c'est oh, c'est oh, c'est énorme des mouches qu'on a ici, mais effectivement, comme dans Foxy, c'est Ouais. un peu plus obscur, il n'y a pratiquement rien dedans, mais dès que je sors, je me fais attaquer par les Ouais, mouches. voilà, ça c'est pas mal. Alors, Ouais. et puis on a acheté aussi les tendages, hein, parce qu'on On a bosse, acheté hein. les temps, bah On oui. lave notre linge, hein, voilà. Enfin, voilà, en gros, je pense Voilà. que. Bon, ben La maintenant, vue. on attend les. Et ah oui, c'est ce que j'ai acheté aussi, regardez. Ah oui, ben ça. Ma chaise longue, ça fait des années que je rêve d'une chaise longue. Donc c'est tout le matin pour mon café, c'est ici. Et il y a le plaid parce que même la nuit, des fois, elle reste dormir là. Ça m'est Donc, elle a déjà besoin du arrivé. plaid Et pour la nuit. puis même le matin, parce que je suis à l'ombre avant que le soleil se lève, ben, j'ai froid aux pieds, donc je me mets le plaid. Parce que il est où? Là, lui là. Lui là. Hein? Le petit gamin là, le gamin, le jeune là, le branleur, excusez-moi l'expression, mais bon, hein, voilà. Systématiquement, tout le matin, il me réveille vers 6h, 6h30. Donc, et comme il fait un boucan, non, c'est Domino après qui râle, donc je suis obligée de me lever. Oui, et ça réveille les voisins aussi. Enfin voilà, maintenant ben, on attend nos tonnelles, on Ouais. attend, voilà, on aimerait bien voir ça, mais bon, on n'est pas dans l'urgence, on est tranquille. On est bien On est super ici, bien, on ça est va. super bien ici. Donc là, on va monter. Déjà, il faut aller à la poubelle, vider, parce que j'ai une poubelle aussi. Donc, avec le petit chariot là, J'attends la livraison. Là, j'attends j'ai toujours la commandé deux livraison. gaz pour pouvoir cuisiner un Des peu fleurs, dans oui, l'endroit une cuisine. mini gazinière quoi. Ouais, c'est deux Ouais, gaz. C'est ouais. deux gaz. Et puis là, on va monter le meuble de cuisine pour moi. Comme ça, Ouais, j'aurai c'est le même, on a déjà un acheté deux fois le meuble. même. Hein. Voilà. Un pour mettre l'évier et l'autre qu'on va laisser comme Voilà. ça. Et puis après, pour l'aménagement, on a fait un plan. Et puis je pense que moi, en tout cas, je veux rester comme ça. Je vais laisser Foxy ici. Là, en face, là, je veux mettre ma tonnelle. Et puis au milieu, une terrasse. Comme ça, j'ai l'ombre Voilà. de Foxy le matin et l'ombre de la tonnelle l'après-midi. Alors, par contre, il y aura la tonnelle cuisine qui sera commune à nous deux. Au milieu entre nous Chrissa deux. aura sa tonnelle. Ouais. Moi, j'aurai ma tonnelle. Moi, je vais légèrement bouger. Oui. Donc, chacune aura sa tonnelle, Oui, sa bien sûr, terrasse. ouais. Oui. Un endroit commun. Donc, ça sera cuisine, un peu rangement, Ouais, tout ouais, ça. ouais, ouais, ouais. Et après, on pense se faire une terrasse commune. Voilà. Ouais. Pourquoi on ne se fait pas une terrasse commune tout de suite? Non. Je la sens tout de suite, la réflexion, parce que nous sommes voisines et ça fait du bien, Chrissa, d'être Ouais. seule. Ça me fait du bien d'être seule Voilà. aussi. On n'est pas H24 Non. ensemble, même si on est Non. souvent ensemble. Oui. Moi, j'aime bien avoir mes moments à Ouais. moi, tranquille dans mon coin. Chrissa, c'est exactement Voilà. copier-coller. Voilà. Mais on a envie quand même de se faire une terrasse commune. Oui. Voilà. On a déjà commencé à repérer des endroits où on pourrait À trouver des peu près, palettes. oui, Voilà. déjà aussi, parce qu'on est Ça, toujours oui. à la recherche des palettes. On avait l'idée de construire une terrasse déjà pour Ouais. nous, nos terrasses en palettes, mais on a repéré, il y a un marchand de palettes ici à Oh, c'est Totana. chou.
Oui. Et donc on va voir, mais ça sera. D'abord, il faut attendre la livraison des tonnelles. Alors, Et là, il y en l'inconvénient, a encore pour une dizaine de jours oui, avant les. maximum le 12 août. Ouais. Mais l'inconvénient des palettes, c'est que le problème, c'est que c'est devenu une mode. Oui. Et du coup, ben, les fabricants, ils sont pas cons, ils ont monté les Eh prix. ben, Toujours offre et demande. Donc, on verra. On verra. bah, Mais de c'est vrai toute que de toute façon. façon, avec le phase 1 confinement, Ouais. bon, toutes les semaines, le président de région voit ce qu'ils font pas. Pour l'instant, ça limite un petit peu, voilà, les mouvements. Donc, on va se laisser faire, on va se laisser porter. On verra. Chrissa a été contrôlée quand elle est partie faire des Oui. courses par la police, Au ce qui est tout retour, à fait normal. oui. Donc, bon, voilà, on se laisse porter par le temps. On est vraiment Voilà. au rythme Voilà, espagnol. Cool, cool, absolument, cool. absolument. Voilà. Ah oui, je voulais vous montrer encore parce que ah oui, mais comme on a commencé à bricoler, il me fallait un plan de travail. Alors c'est ce qu'on avait acheté tout simplement chez Ikea, une étagère. Voilà celui qui est en bas là, le blond. Normalement, c'est une seule étagère. Coupé en deux, ça fait pile poil une bonne hauteur pour un plan de travail, pour une table de travail en hauteur et un plateau de table tout ordinaire. Parce que moi j'aime bien travailler debout. Il y a des choses que je préfère faire debout. Donc voilà, tout ce que vous voyez là, Eh ben rien. c'est un peu provisoire, Je oui. vais voir un petit peu. Bon, on a commencé à bricoler ça. Ouais. Là, on attend la suite. Donc ça va être un des métiers à tisser parce qu'on va en faire deux. Ça va être le premier métier à tisser. Il manque bien sûr des éléments hein, qu'on Oui, attend. c'est pas terminé. Mais voilà ce qu'on s'amuse à faire dans la journée, en Ouais. dehors des heures de canicule. Donc voilà. Ouais, l'autre, Ça il est en occupe. vrac par terre, là. Suffit de terminer. Voilà comment on s'en occupe. Et puis, ben on est heureuse, on est On est très détendue, bien. on est très bien. Vous voyez, moi aussi, j'ai mis des trucs en alu. Nous avons beaucoup de chance parce que nous avons des voisins suisses-allemands très discrets. Donc Absolument, tout ouais. va bien. Tout va bien dans le meilleur du monde. Bon, allez, on va chercher ta livraison. Allez. On va dire au revoir. Salut, salut. Ciao, ciao. Ouh.